Et c'est parti pour l'épisode 48. Alors du coup, bon, nous on a survécu. Ben on va essayer ce coup-ci de bien avoir Valar. Alors, ici c'est des tombes. On était déjà venus, il me semble. Donc je sais pas trop par où on doit partir. Regardez la carte. Ok, il faut bêtement aller vers les cages. Alors, on passe sur celui-là. Mets-le à terre. Mets-le dard. Est-ce qu'on contrôle? On le contrôle. Du coup, qu'est-ce qu'il sait faire? Assommer, c'est bien ça. T'as pas une provocation? Si. Vous moquez de vos adversaires, parfait. Ah oui, il va pas s'en sortir là. Légitime défense, non. Réparation. Ça pourrait le soigner. Réparation, résistance aux dégâts. Alors, toi, récupère ton énergie. Mets-le à terre. Récupère. Réparation. Encore une. Voilà. Ah, en face il tente une réparation. On n'a rien pour interrompre. Support, dégâts, interruption. Pas assez. Dommage, un peu trop tard. Hop, parfait. Bon, on s'en est bien tiré. Ils sont en train de piller les tombes. Alors, je vais m'occuper de celui-là. Tandis que toi, tu vas faire une petite résistance et une légitime défense. L'archer pose pas de problème. Allez, mets-le à terre. Parfait. Du boutin, ouais. Non, pas la tombe. Ah, je les avais pas vus tous les deux. On va attaquer lui. Tandis que toi, tu vas faire une provoque. Une résistance, une légitime défense. Celui-là, il va y passer. Récupère. Préparation, résistance. À terre, anticorps. Légitime défense, assommé. Normalement, il devrait se relever d'ici la fin de la légitime défense. Voilà. Côte de maille. Ici, voilà. Il est bien semblé voir un passage. Sauvegarde.
priori, ils sont en train de s'en prendre à des pauvres villageois. Oh, est-ce qu'on peut attaquer que celui-là sans les gardes là-bas? Ça pourrait être intéressant. Parfait, je récupère. Provoque-le. Résistance. Légitime défense. Hop. Comme ça, il ne peut pas se soigner. Il reste les deux là-bas. Tiens, il y en avait un dans mon dos que je n'avais pas vu. On va arranger ça. Il y en avait un autre là-bas. Oui, j'ai vraiment pas fait gaffe. Normalement, voilà, avec la provocation, je crains pas grand-chose. Essayer d'en éliminer quelques-uns. Toi, change de cible. Bon, j'arrive pas à... Bon. Légitime défense suivi de résistance. J'aurais dû faire l'inverse. Mets-le à terre, histoire que l'autre ne peine pas trop de dégâts. C'est bon, on devrait s'en sortir. Ce sont mes hommes. Il faut les libérer. Les clés des geôles doivent bien se trouver quelque part dans les parages. Bah, je suis assez d'accord. Hein. On n'a pas encore libéré mes hommes, Alistair. On va avoir besoin d'eux. Là. Mon capitaine, je savais que vous nous abandonneriez pas. Tu ne mérites pas de mourir ici, Graydon. Seigneur Alistair, je vous croyais mort. Nous avons échoué à vous protéger et à protéger Puiseg. Le temps n'est pas au deuil. Vous allez m'aider à reprendre mon château, soldat. Nous sommes prêts à servir Puiseg. Et on va avoir sacrément besoin de vos lames, mes gaillards. Messire Alistair, faites attention à vous. Certains de ces prisonniers sont vraiment dangereux. J'espère bien qu'ils le sont. On va avoir besoin de tous les bras disponibles. Alors... Sir Serwick, à propos de ma libération... Tu veux sortir, c'est ça? C'est peut-être possible. Non, ne vous méprenez pas. J'ai une offre sérieuse à vous faire. Attendez, que venez-vous de dire? Nous avons grandement besoin de tes services, là-haut. Si tu t'en sens capable, rejoins-nous. Oh, merci, messire, grand merci, vous ne le regretterez pas. Fais attention à ce que tu fais, Alistair. Quoi? Ce fourbe a déjà glissé bien des fois entre nos mains. Je préférerais le voir de ce côté-ci des barreaux. De plus, il ne sait pas se battre. Et j'ai peur qu'une fois dehors, il file vers son terrier, sans nous apporter aucune aide. Qui sait s'il n'attendra pas le pire moment pour se retourner contre nous? Mais oui, bonne question. Qui sait, en effet? Nous n'avons pas besoin d'un péril supplémentaire. Ah, vous deux, vous restez là, d'accord. Laissez-moi sortir! C'est inhumain! Tais-toi, imbécile! Écoute ce que ton seigneur a à te dire! Un émeutier. Tu connais du monde dehors? Oui, messire, je connais tout le monde en ville. Bien. Notre ville est au plus mal. Des reîtres parcourent ces rues, et ne se gênent pas pour y répandre le sang. Le fait que tu connaisses les gens de Puiseg peut nous être utile. Si tu nous aides, je te rendrai ta liberté. Qu'en dis-tu? Sortir d'ici pour me faire tuer bêtement par des mercenaires? Non merci, je préfère encore la prison à la mort. Si tu restes ici, les reîtres de Valar y descendront tôt ou tard. Et là, je ne donne pas cher de ta peau. Alors que dehors, tu seras libre. Et avec nous.
Le danger sera toujours présent, certes. Mais pour tout le monde. Tes voisins, tes amis, ta famille. Tu veux les laisser à la merci d'une bande de pillards et de meurtriers? Non, messire. Alors viens avec nous. Rayman, fais-le sortir de là. Lui, c'est fait. Merci, messire. Je pensais qu'on allait tous mourir dans ce trou à rats. Hop. Ça fait quelques chapitres qu'on l'avait vu, ça. Tout ça pour ça. Je te déconseille de libérer celui-là. Je n'ai aucune confiance en lui, c'est un assassin. Un assassin, tu dis? De toute façon, je ne m'attendais pas vraiment à trouver des saints ici. Lui, c'est différent. Il est vraiment dangereux. Quand je lui ai mis la main dessus, j'y ai laissé un de mes hommes. Et les deux autres ont failli y passer également. Oui, c'est dangereux. En effet, il semble imprudent de libérer un monstre pareil. Du coup, on va manquer d'hommes. Je pense qu'il aurait pu nous être utile, mais on va pas prendre de risques. On va sauvegarder sur la 4. Maintenant, nous pouvons enfin attaquer ces chiens. Non, je ne veux pas prendre de risques. Il vaut mieux ruser. Comment ça, ruser? Je vais prendre un de leurs uniformes, les infiltrer et trouver un moyen de vous faire entrer dans le château. J'en profiterai pour évaluer leurs forces et préparer le terrain. S'il reste des survivants là-haut, je trouverai un moyen de les sortir de là. C'est trop dangereux. Laisse-moi t'accompagner. Non. Seul, j'aurai plus de chances de passer inaperçu. Toi, tu vas rassembler tous les hommes disponibles dans le bois sacré de Puiseg. Dès que j'aurai ouvert les portes, vous devrez être prêt à foncer dans le tas. Tu t'en sens capable? Sans problème, cousin. On va les balayer, ces chiens. Puisse l'or me donner la force. Bon, bah y a plus qu'à. Pratique les casques pour passer incognito. Essayer de pas faire de conneries. Par la chèvre noire de Cohor, qu'est-ce que tu fous là, toi? J'arrive des cellules. Les cellules? Et les prisonniers? J'arrive au rapport. Tout est sous contrôle en bas. On m'envoie vous dire qu'on n'a plus besoin de renfort, messire. T'es un petit malin, toi, hein? Sache que tu ne trompes personne. Entre Traxan, y a pas de messire qui tienne. Si t'étais vraiment des nôtres, tu le saurais depuis longtemps. Donc arrête tes conneries et rends-toi sans faire d'histoire. Par la flamme. Chopez-le! On va l'amener à Wex. Il adore les surprises bien saignantes. Mais j'ai mal joué, là. Je le sens pas. On a sauvegardé juste avant. Si, c'est vrai qu'on peut ressusciter automatiquement avec lui la première fois. C'est bon, on va s'en sortir finalement. Et puis ça fait toujours ça de troupes en moins. Donc on s'en souviendra, pas d'hiérarchie chez eux. On va essayer de pas refaire la même connerie, puisque là ça pourrait être plus dangereux dans le château.
On va essayer de pas retomber sur Valar surtout. Espérons que je fasse illusion assez longtemps pour ouvrir les portes. Qu'est-ce que j'entends? On se plaindrait de mon règne? Gorgez donc un de ces malins! Si on le servirait pour le dîner! David Château, messieurs! Ok. Vous entendez, bande de limaces? Il y a un nouveau seigneur ici. Et c'est moi, le seigneur Wex. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, toi? Tu t'es occupé des prisonniers? Oui. Ils sont morts comme vous l'avez ordonné, seigneur de Puiseg. Ah voilà un qui a tout compris. T'as ma permission pour aller t'amuser un peu avec les servantes, là-haut. Et au passage... Va donc voir pourquoi ce maudit maître met tellement de temps à soigner d'elle. Il en sera fait selon vos ordres, monseigneur. Qu'est-ce que j'entends? Si on a bien joué. On se plaindrait de mon règne? Mangez donc un de ces malins. Vous le servirez pour le dîner. La vie de château, ah, messieurs. Je pourrais lui parler. Quel raffinement. Ouais. On peut s'amuser avec elle? Elle? J'y suis extrêmement attaché. La foi l'a rendue très endurante. Je pensais à lui trancher la gorge. J'aurais été le seul homme qu'elle aura jamais aimé. Et puis... Je suis un grand et noble seigneur. Je suis l'homme d'une seule femme à la fois. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pourquoi accepterais-je de laisser quelqu'un d'autre la toucher? Si je fais en sorte que le maître soigne enfin Dale, tu me la donnes? Ouais, c'est d'accord. Sauve mon frère, et la vieille est à toi. Bon, elle, on va pouvoir Qu'est-ce la sauver. Que j'entends? On se plaindrait de mon règne? Tu connais Wex? Fuis un peu. Oh, tiens. Les archives. On va aller ici. On a rien à ramasser là, si. Ce château est de bonne réserve. Ils savent se faire plaisir, ces Sarwick. Ça doit être la bouffe. Alors a priori là, je dirais qu'il y a la danseuse à sauver. Mon fils. Dans ça. Alors. Une noble élevée dans la soie qui se déhanche pour nous. Quel meilleur spectacle peut-on demander? Et après, on osera encore me demander pourquoi j'aime tellement le seigneur Valar. Elle a l'air de fatiguer un peu, ta danseuse. Elle gagne du temps, ouais. Dès qu'elle a fini de danser, elle passe à la casserole. Donc, si elle veut arrêter, elle peut le dire. On attend que ça. On finira juste plus vite que prévu. Et je laisserai personne me priver du plaisir de l'égorger à la fin. Et à combien tu la vendrais, ta prisonnière? Un morceau pareil, la vendre? Et me priver du plaisir de la faire couiner avant de la découper en morceaux? Combien? 400 serres d'argent, mon gars. Tiens, voilà ta somme. T'es sérieux? Tu dois vraiment avoir faim pour payer Ruby sur l'ongle comme ça. Enfin, c'est pas moi qui vais m'en plaindre. Elle est toute à toi. Emmène la vite loin d'ici avant qu'il ne lui arrive un petit accident. Je l'emmène dans les geôles pour la garder au frais et sous clé. Tout va bien se passer, madame. Gardez votre sang-froid. Ne me tuez pas! Au nom de la mère, pitié! Écoutez-moi. Je suis Alastair Sarwick, seigneur de ces terres. Et je veux que vous descendiez vous cacher dans les cryptes. Vous me comprenez? Bientôt le sang va couler. Je n'arrive pas à croire ce qui est arrivé ici! Merci, mon doux sire. Merci. Sans vous, ces sauvages m'auraient tué, et même pire. Partez maintenant. Bon, elle, c'est fait. Donc à l'étage, il faut aller sauver le maître.
On va regarder la carte. Ok, c'est par là-bas la suite, donc on va revenir en arrière, essayer de sauver le maître. Et en sauvant le maître, on va essayer de sauver la fille qui est près de Vex. Il n'y a rien d'autre à fouiller ici. Il y a vraiment du monde dans le coin. Alors. A priori, il n'y a rien ici. Là, par contre, il y a quelqu'un. De toute façon, avant tout, il faut que je retrouve raté l'appel quand Valar est parti avec le gros de la troupe. Alors ici. Ouais, y a de l'or, je le sens. Juste des pillards. Ici. Par la flamme. Pitié, épargnez-nous. Nous ferons tout ce que vous voulez. Je ne permettrai pas ces atrocités. Bande de porcs, vous allez mourir ici. Merci, la mère nous a entendus. C'est dangereux, mais bon. On ne peut pas laisser mourir les habitants du château quand même. À quoi ça sert de sauver le château s'il n'y a plus personne dedans? Merci. Vous nous avez sauvés. La mère soit louée. Nous allons sortir vivants de ce cauchemar. Que la mère soit louée. Merci, monseigneur. Bon. Je le savais, j'avais raison de garder espoir. Bien, c'est là-dessus qu'on va arrêter l'épisode 48 et je vous dis à tout de suite dans l'épisode 49.